Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, le président de la Sierra Leone poursuit sa visite en Algérie, reçue hier par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Les deux responsables ont convenu que leurs pays respectifs, désormais membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, œuvreront de concert pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Accompagné du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, le président de la Sierra Leone, a visité ce matin Jamaa al-Jazair. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du plan jaune, le ministre des Travaux publics et le Wali d'Alger effectuent aujourd'hui une visite d'inspection des projets permettant une meilleure circulation des personnes et des transports à l'ouest de la capitale. Les condamnations s'enchaînent après l'attentat survenu en Iran. On notera celle du secrétaire général de l'ONU, de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ou encore celle de la Chine. Et puis sport, les Verts se préparent pour la CAN 2024. Ils jouent demain un match amical face au Togo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui effectue une visite officielle de 3 jours en Algérie. Les deux responsables ont convenu de renforcer les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment commercial. Le président, Abdelmadjid Tebboune. اتفقنا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة منها الطاقة التجارة والفلاحة والصناعة الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وعلى ارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك وهي خطوة عملية من شأنها فتح جسور تعاون Le président de la République et son homologue sierra-léonais plaident pour le règlement des conflits africains au sein de l'UA. المشترك والتنسيق ضمن الاتحاد الإفريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا إفريقيا والسعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية بالعمل على التمكين لتمثيل عادل لقارتنا وهنا أتوجه إلى أخي الرئيس مادو بيو لأشيد بدوره كرئيس للجنة العشرة ورؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي للأمم المتحدة. Toujours lors de cette déclaration conjointe à la presse, le président Tebboune a souligné que les deux pays, en leur qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, œuvreront de concert pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ils interpellent d'ailleurs la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités en ce qui concerne la situation à Gaza. Les deux hommes s'engagent également à poursuivre leurs efforts pour une solution durable au Sahara occidental. إن الجزائر وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. Le président de la Sierra Leone, pour sa part, tenu à rappeler le contexte dans lequel intervient cette visite. Nous sommes déterminés de renforcer les relations au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Et ce n'est pas une coïncidence que cette visite se passe aujourd'hui à un moment où l'Algérie et le Sierra Leone ont commencé leur mandat en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant cette visite, j'ai eu un débat profond
téléphone avec mon frère et ami et nous avons abordé des questions en rapport avec notre intérêt bilatéral dans le cadre de coopération et de concertation et de solidarité également. Le président de la République de la Sierra Leone a visité ce jeudi Jama al-Jazair, accompagné du chef de la diplomatie Ahmed Attaf. Julius Maada Bio a été accueilli par le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Houssini. Le président de la Sierra Leone a visité plusieurs structures de la mosquée et écouté un exposé sur ce grand édifice à portée religieuse, civilisationnelle et sociale. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, l'exécutif réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nader Al-Harbaoui a examiné le cadre réglementaire relatif aux zones franches pour renforcer les échanges commerciaux avec les pays voisins du Sud et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Le gouvernement a également examiné les moyens d'assurer le meilleur approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation à travers notamment le développement d'un système de compensation des frais de transport vers ces régions. C'est ce que précise un communiqué des services du Premier ministre. Le ministre du Commerce effectue lui une visite de travail aujourd'hui à Djelfa. Il doit superviser plusieurs structures relevant de son secteur, notamment le marché régional des fruits et légumes à Ain Wissara, l'huilerie de Dara Dief et le siège des registres du commerce. Autre ministre sur le terrain aujourd'hui, celui des travaux publics, accompagné cette fois-ci du Wali d'Alger. Ils effectuent une visite de travail et d'inspection au projet du secteur relevant du secteur dans la capitale, notamment celui du plan jaune qui promet une meilleure circulation des personnes et des transports à l'ouest d'Alger. Soraya Roselyne, compte rendu. Première halte, la wilaya déléguée de Zeralda, cette zone ouest qui connaît depuis quelques années un développement considérable et un retour accru d'estivants. C'est dans cette optique qu'une étude d'accessibilité a été entreprise à travers le parachèvement de la réalisation des travaux d'accession à la ZET de Sidi Fredj et Palm Beach. Ce projet réalisé entièrement par des entreprises algériennes connaît des taux d'avancement de 45%. L'aménagement en surface d'un giratoire assurera les meilleures conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des usagers. Dans un délai de 30 mois, il est prévu de réaliser 9 ouvrages d'art et une trémie au niveau de la route nationale 41 dans le sens de la rocade sud vers Spawele. Au deuxième halte, la nouvelle ville de Sidi Abdallah, la délégation s'enquira de l'état d'avancement du projet de réalisation de l'école supérieure de management des travaux publics. Ce projet rentre dans le cadre des mesures d'accompagnement du projet relatif au marché d'application du programme portant pour la réalisation de l'autoroute SU. Situé au 428 dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, une des principales missions de cette école est de participer à la vulgarisation et de former des techniciens modernes dans le domaine des travaux publics. D'autres détails de la visite, nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions. La nouvelle ville de Sidi Abdallah, Soraya Roselyne, Alger Chaîne 3. Les unités de production du complexe Sider d'Al-Hajjara Annaba ont repris leurs activités après le redémarrage du haut fourneau à l'arrêt depuis 3 mois et la résolution du problème d'indisponibilité de coques de charbon, indique un communiqué du groupe Mittal, le groupe qui se fixe comme objectif en 2024 de produire 600 000 tonnes de produits sidérurgiques commercialisables contre 300 000 tonnes en 2023. Le directeur général du FNPOS, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales, a affirmé ce matin que celui-ci s'apprête à octroyer 60 000 aides au logement rural pour un montant global de 30 milliards de dinars. Une femme quadragénaire est décédée ce mercredi soir, hier soir, à Ain Benyen, à l'ouest de la capitale, par asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un appareil de chauffage défectueux, selon la protection civile. On assiste visiblement à une résurgence du Covid-19, un nouveau variant, un sous-variant plutôt, du virus Omicron. Les symptômes sont très semblables à ceux de la grippe, nous dit le professeur Kamal Jennouhat, président de la Société algérienne d'immunologie. Il est au micro de Hassan Chemesh. On est en pleine saison hivernale, c'est prévisible. On s'attendait à cette transmission de ces maladies qui se transmettent par voie respiratoire, et notamment le Covid. L'OMS, ils ont constaté qu'il y a une flambée de Covid qui est due principalement à ce nouveau sous-variant qui s'appelle le GN1 et qui dérive de Pirola. Paru pour la première fois durant la saison estivale aux États-Unis, il a un grand pouvoir de transmissibilité. Il appartient toujours à cette famille Omicron, donc Dieu merci, on est plus ou moins rassuré. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour que ce variant provoque une maladie plus grave.
grave. Néanmoins, par rapport à la symptomatologie, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport à une grippe. On constate qu'il y a de l'asthénie, la fatigue, des maux de tête ou céphalées, la fièvre, la toux, l'écoulement nasal, douleur musculaire. Et on a constaté qu'il y a quand même retour un peu de la perte de goût et de l'odorat. Ce qui nous rassure que malgré qu'on est en train de diagnostiquer ces cas positifs, Dieu merci, alhamdoulilah, il n'y a pas de cas qui nécessite une hospitalisation. Il est 12h40 sur Alger, chaîne 3. De nouveaux bombardements de l'armée d'occupation menés cette nuit sur la bande de Gaza ont fait des dizaines de morts et plus de 100 blessés selon le Hamas. Deux jours après l'élimination d'un haut dirigeant du mouvement palestinien au Liban, des tirs d'artillerie particulièrement intenses ont touché cette nuit la ville de Khan Younes, grande ville du sud de la bande. Des crimes de guerre dénoncés et documentés par un panel d'avocats de plusieurs nationalités réunis à Alger le mois dernier avant de déposer leur plainte auprès de la CPI, où en est d'ailleurs cette procédure. Les détails avec l'avocat des victimes palestiniennes, Gilles Devers. Ça progresse, on les a rencontrés deux fois. Et il y a une nouvelle rencontre qui est programmée en fonction de l'avancement du travail. Donc si il y a cette urgence, c'est qu'on travaille sur la question des mandats d'arrêt. Oui, évidemment, la justice, c'est jamais du jour au lendemain, ou c'est jamais bon d'ailleurs quand c'est du jour au lendemain, il faut du temps. Mais quand même, le délai est très crédible pour le moment. Et en tout cas, avec l'expérience de 15 ans de recul, je peux dire qu'on n'a jamais été si près d'un travail sur le fond, sur un mandat d'arrêt vis-à-vis d'un dirigeant israélien, mais de toute façon le débat sera après et les défenses sont là et il faut contextualiser pour comprendre ce que fait la résistance, évidemment. Rappeler toujours que Israël est puissance militaire occupante et n'a pas le droit à la légitime défense, alors que les résistants ont le droit à la légitime défense parce qu'ils défendent leur terre. Au fil des semaines, la cause palestinienne a gagné en soutien à travers de grandes manifestations organisées dans plusieurs capitales du monde. Au Maroc, des milliers de personnes ont marché hier à Casablanca pour réclamer la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Dr Abdeljalil Dahri, juriste et coordinateur de la plateforme Génocide de Gaza. Hommes, femmes, étudiants, syndicats le disent haut et fort, à bas la normalisation honteuse et scandaleuse avec l'État sioniste, incarné et protégé et parrainé par le système de Mahzen, ne représente qu'eux-mêmes. Et depuis le 7 octobre, c'est le même slogan qui ne cesse de répéter. J'aimerais dire que l'agissement de la population marocaine reflète l'échec des tentatives de normalisation choisies par Mohamed VI, qui est devenu un agent de l'État sioniste, qui est devenu un serviteur de l'État sioniste. À propos de solidarité, à Soukharas, les bénévoles du Croissant Rouge algérien ont collecté un certain nombre de denrées alimentaires au profit des Razaouis. Sadek Bouraoui pour la chaîne 3. Les bonnes traditions d'humanité et de solidarité restent ancrées dans l'esprit des Soukarasiens qui continuent à partager les souffrances du peuple Razaoui face à l'agression sioniste qui perdure depuis plusieurs mois. Nous assistons au départ d'un convoi de solidarité composé de habits, médicaments, denrées alimentaires, literies et autres à destination du QG du Croissant Rouge algérien, à destination bien sûr du peuple palestinien. Plus de détails avec Amin Azou, président du comité du wilaya du Croissant Rouge de Soukharas. On a mis en place tout un dispositif pour faire ce ramassage des dents au niveau de la wilaya, au niveau de nos deux points de collecte. Un grand remerciement pour tous les citoyens de la wilaya et tous les investisseurs et les commerciaux de la wilaya. Abdelkrim Zinaï, wali de Soukharas, présent à cet événement, n'a pas manqué de saluer les efforts conjugués par les organisateurs et citoyens soukharasiens qui ont contribué positivement à la réussite de cette opération. C'est une campagne qui a connu beaucoup de succès étant donné le dévouement de la population de Soukharas envers cette opération. Pratiquement toutes les couches sociales ont participé à cette campagne de dons. C'est une opération qui a connu beaucoup de succès au niveau de notre wilaya et qui est connue pour ce genre d'opération. La wilaya de Soukharas est une wilaya révolutionnaire, très affectée par ce qui se passe à Gaza. Nous devons que nous plier à cette volonté et c'est la moindre des choses qu'on peut offrir à nos frères à Gaza. De Soukharas, Sadek Bouraoui pour Al Jazeera 3. Près d'un million de Razaouis ont rejoint la ville de Rafah au sud de Gaza depuis le début du conflit. Selon les statistiques de l'ONU, l'UNRWA qui ajoute que 85% de la population Razaoui réside désormais dans le sud, soit environ 1,9 million de personnes. Le Hezbollah annonce la mort de 4 de ses combattants, parmi lesquels un responsable local dans le sud du Liban, ce qui porte à 129 le total de ses pertes dans les affrontements avec l'armée d'occupation depuis près de 3 mois. Un deuil national est décrété aujourd'hui
intervient en Iran après l'attaque qui a fait plus de 80 morts. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné avec force cette attaque. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a condamné également le double attentat à la bombe qui a visé des civils dans cette province de Kerman. L'OCI a renouvelé son soutien et sa solidarité avec l'Iran à la suite de ces attentats. Enfin, la Chine se dit profondément attristée par la double explosion survenue en Iran, qualifiée de terroriste par plusieurs responsables. Deux membres du Hashd Shaabi, faction irakienne proche de l'Iran, ont été tués ce jeudi dans une frappe de drone contre un bâtiment de leur organisation à Bagdad, selon une source sécuritaire. Un responsable du Hashd Shaabi, Bagdad, accuse la coalition internationale et évoque une agression. On arrive au sport. Redouane Bendali, bonjour. Bonjour, Céline. Alors, les Verts qui se préparent pour la CAN 2024 et une bonne nouvelle que vous apprêtez à nous annoncer, une bonne nouvelle pour les supporters. Oui, une bonne nouvelle qui vient d'être indiquée par la Fédération algérienne de football dans le cadre de l'accompagnement de la sélection nationale de football qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le président de la Fédération algérienne de football porte à la connaissance des fans et supporters de l'équipe nationale que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives en vue de prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d'Ivoire de 2000 supporters à travers la société Touring Voyage Algérie, mesure traduisant la volonté de rapprocher les supporters de leur équipe durant ces matchs. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Saadi, tient à remercier et à exprimer ses vifs remerciements et sa gratitude au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters. Les Verts qui sont au Togo aujourd'hui et préparent leur match amical. Oui, ils poursuivent leur préparation au Togo dans de très bonnes conditions. Comme l'ont indiqué tous les membres du staff et également les joueurs. Aujourd'hui, ils se trouvent à la veille d'un match amical qu'ils doivent disputer demain face au Togo. Et, je l'ai dit, dans de très bonnes conditions de stage. Ils effectuent aujourd'hui leur dernière séance d'entraînement avant le match amical. Ce sera à 17h30, cet entraînement, et sur justement les conditions de préparation de cette CAN au Togo. Je vous propose d'écouter le défenseur latéral gauche de l'équipe nationale, Yasser Larossi. Je ne le vois pas comme une concurrence, on est des coéquipiers, on est là pour le même but. Pour moi c'est différent, on est là pour le même objectif. Moi ça me fait plaisir d'être là, c'est ma première CAN, je suis content de pouvoir y participer. Inch'Allah, on donnera le maximum pour le peuple et représenter le pays. Même si j'avais eu autant de temps de jeu que je voudrais, ça reste quand même une opportunité en or, parce que ça reste la CAN. Et faire une CAN avec son pays, ça n'a pas de prix. Voilà donc les Verts qui sont, je le disais, à la veille de leur match qui se déroulera demain à 17h au stade Kégué de Lomé face à cette équipe du Togo, et ça sera à 21h heure algérienne. Les conditions sont bonnes, je le disais, également la température qui est aux alentours de 30 degrés, un taux d'humidité de 64 degrés, c'est à peu près les mêmes conditions que les Verts trouveront en Côte d'Ivoire pour leur match. Je rappelle tout de même les matchs de l'Algérie en Côte d'Ivoire. Ça sera le premier match, ça sera le 15 janvier face à l'Angola à 21h. Le deuxième match, ça sera le 20 janvier face au Burkina Faso à 15h. Et le troisième et dernier match du groupe, ça sera le 23 janvier à 21h. Et bien sûr, quand je dis 21h, c'est en heure algérienne. Merci Erdouane Bendali. Dernier week-end de vacances, des vacances d'hiver et de printemps qui sont propices au tourisme local. Dans ce registre, la ville de Constantine ne manque pas d'atouts. Elle manque cependant de centres d'hébergement et de main-d'œuvre qualifiée. Haït Kerboua pour la chaîne 3.
Constantine recèle des trésors enfouis et apparents, des atouts que la nature, l'histoire et la culture ont offert à cette ville unique et qui pourraient être les leviers pour un tourisme prospère. Malheureusement, plusieurs obstacles subsistent encore. Écoutons à ce propos Rachid Yaissi, il est président de l'office local du tourisme. Ce qui manque généralement, c'est la gestion. C'est la gestion des sites touristiques, la gestion des hôtels, la qualité des services, etc. C'est un grand problème. Il faut lancer la formation dans tous les domaines. On doit premièrement promouvoir notre produit touristique. Il faut faire la mise à niveau des routes, des transports, des jardins, de toutes les potentialités touristiques. Et en diapason de tout ce qui se fait dans les pays voisins. C'est une ville millénaire qui a de potentialités touristiques incroyables. Nous avons le chemin des touristes, par exemple, qui est entre le Oued Rimel et le ciel. C'est unique au monde. Il faut revaloriser ces potentialités. Il est clair que la ville du Vieux-Rocher possède de nombreuses potentialités lui permettant de devenir un important pôle touristique, pourvoyeur de devises et créateur d'emplois. Constantine Hayet-Kerboua, Al-Jéchin 3. Je vous rappelle cette information avant de refermer les pages de ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives en vue de prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d'Ivoire de quelques 2000 supporters à travers la société Touring Voyage Algérie. Et cela donc en prévision de la CAN 2024. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kété à la technique. Tout de suite, c'est Karima Bennour pour la météo. Je vous oublie de remercier Mouni qui était au streaming vidéo. Très bonne suite des programmes sur Al-Jéchin 3.